Ça nous pas tarder, n'a commencé tout de suite ensemble avec développement titre nous. Et mais mesdames et messieurs, Dominique a ouvri haïtien même a fermé. OK, ak racisme président dominicain continue à produire gagote en dans République dominicaine. Depuis 9h40 matin hier 11 octobre 2023, Foutier RDA te l'ouvri sous l'obédience lamé, ensemble avec direction migration qui te représentée par Elio Useta. Mais bien malheureusement, Mounouanamet continue à kembe frontière yon fermé. Eh bien, Elio Useta a déclaré, autorité haïtienne yon te fin di oui, y a l'ouvri, mais yon pas fait. Eh bien, j'en là, mesdames et messieurs, n'a pas rappelé que ailleurs, marché d'abonnement lui-même, lui prend du feu. Nous pourrons suivre ensemble avec moi une déclaration de quelques moun qui gagnent des affaires en de marché si là, ou du moins qui gagnent moun yo qui gagnent des affaires en de marché, en partie. Je crois que moi, j'ai madame moi aussi qui gagne marchandises en République dominicaine que nous ne connaissons pas. Mais situation lui-même, est-ce que yo volé les marchandises là? Et bon, c'est que. Pas connaître ça. Ça que. Son situation qui est assez difficile pour moun si la yo, mesdames et messieurs. Hier après-midi, j'ai une réunion qui fait ça. Pour tout le monde, quoi en faire un? Directeur douane, Wana Meta, avec directeur douane dominicain. Oui. J'ai une réunion qui fait ça. Dans le marché en bas. Yon fait d'autres tout. Yon fait d'autres tout. Pour yon fin. Fin prêt à faire un. Yon brûlé, pour yon nous-mêmes, nous mettons le marché du tout. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme sa situation lui-même, il t'a pas déroulé. Sous frontière, après marché d'abonnement lui-même, il t'a fait prendre du feu. Eh bien, il y a un citoyen qui t'a porte-parole gouvernement, qui a expliqué nous exactement qui sa PM Ariel Henry lui-même, lui compte faire par rapport, ensemble avec perte, plusieurs milliers de dollars que Mounsa lui-même, yo arrivé faire ensemble avec, et ça d'ici là. Au nom du gouvernement Ariel Henry, à toute marchande, nan marché frontalier d'Abongna qui gen marchandise qui brûlé. Gouvernement pa plage nous, la pa accompagne nous par voie ministère commerce, nous croyons que revendication nous a passé. Mater, nous arrivons sous frontière là, colonel Siflon dominicain avec l'administrateur douane, lui-même dit nous comme ça pour que marchandise fait une commission pour y garder marchandise qui boule. Mais nous, ça sont insultes étant que autorité, nous dit comme ça que nous pourrons réunir pour nous connaître exactement ce qui passait. Vraiment, nous vivons nous réunir ensemble, nous ne pouvons pas quitter marchandise pour continuer dans la rue. Il faut nous communiquer avec eux pour que ils arrivent à joindre des dommages à ce qui passe. Nous connaissons vraiment des gens qui prêtent l'argent à la banque. Des gens qui sont au jour le jour à vivre. Mais quand bien même, la frontière est fermée, pour un mois, ils ont un mois et quelques fermés, nous ne pouvons pas mourir. Nous pouvons avoir une frontière qui est tout petit pour que toute procédure légale finisse pour que nous arrivions à joindre
dédommagement pour marchandises nous qui brûlent en République dominicaine. Marchandises nous brûlent dans la République dominicaine. Il y a un magistrat d'abord, c'est lui qui est responsable de marché. Il faut que, un, il y a une explication comment marchandises nous fait brûler. Et deuxièmement, comment que pour nous capables de joindre dédommagement. Tout ça que je dis pour me dire, avant, je ne vais pas répéter après magistrat encore. Seul ça que nous avons dit nous, que nous pas pour nous-mêmes seuls. Pour, par exemple, nous-mêmes qui compatriotes, nous disons, nous, lâchez nous, allez comme ça, allez d'abord, et Dominique, vous ne pouvez jamais quitter nous entrer comme ça. Nous avons besoin de deuxième insulte. Sous peu, nous avons communiqué ensemble avec Machan, par voie la mairie, par voie de fédération, nous croyons que tout le monde a marché. Merci. Et nous disons gros bonsoir à tout le monde qui est dans l'espace là. Et nous comptons pour nous dans l'espace là, à côté de tout le monde réuni, marchands, autorités. Comme dit nous-mêmes comme commerçants, nous n'avons pas besoin d'expliquer personne la situation, pas nous. Parce que tout le monde comprend nous déjà. Mais celle fierté que nous gagnons, c'est la solidarité du peuple là. Solidarité marchand yo. Malgré depuis un mois et demi environ, marchandise nous fermé en République Dominicaine, dans façon tout le monde connaît le fermé, dans hein? Façon que nous pas te imaginer, mais c'est comme ça ça fait. Alors, peut-être, c'est qu'à un bon bagaille pour nous, parce que ça qui a passé là, littéralement pas clair. Maintenant, est-ce que c'est pas un jour de livrance nous qui pré-rivé? Qui fait tout, n'a pas connu toute qualité problème ça. L'en considéré ça qui a passé dans la capitale pays, l'en considéré ça qui a passé dans quelques autres départements dans le pays, et je sentis qu'Haïti a traversé un moment exceptionnel. Et ça a dit que bon bagay qui pourrait le passer. C'est ou bien nous pis mal, ou bien nous pis bon. Même pas quoi nous pis mal. Parce que nous sommes dans l'état pis mal là déjà. Et après ça, cet état va disparaître. Pour tout Haïtien disparaître, si nous avons besoin plus mal que ça, nous est là. Celle ça qui va nous force encore, deuxième bagaille qui va nous force, c'est parce que nous sentons union en mi-temps, peuple haïtien. Nous sentons que l'autorité, même si nous comptons plein, parce que nous, ça fait longtemps que nous n'attendons, mais je dis, ils viennent joindre nous. Et ils viennent joindre nous, dans le moment où nous avons vraiment besoin. Yo vin jwenn nou kote, nou gen koze pou nou te pale avec gouvernement. Et c'est à travers yo même message nou a privé jwenn gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, déclaration yon représentant le gouvernement ensemble avec citoyen sa yo qui perdu a fait yo. Et m'a informé nous que normalement on a parlé là gen un pile haïtien qui a perdu la vie en République Dominicaine parce que gen deux trois vidéos qui vinn jwenn moi là c'est pas bagaille qui petit du tout gen plusieurs haïtiens qui perdu la vie dans zone d'Abonne gen l'autre haïtien mesdames et messieurs qui continue à perdre la vie en République Dominicaine côté dominicain a maltraité yo dominicain tiré yo dominicain bat yo. Donc nouvelle ça yo c'est pas nouvelle n'a joine yo bay dans journal dominicain mais actuellement là en République Dominicaine gè diverses zones surtout capitale qui reculé yo mesdames et messieurs et bien gè haïtien qui a mouri chaque jour dans zone Silayo et pas gagné pièce journal dominicain qui osait parler de dossier Silayo mais pas bon ici faut que nous capable comprendre actualité a c'est pour nous capable porter le baou pour nous comprendre qui ça haïtien a vivre. Si toutefois haïtien a vivre tout bagay sa ou en République Dominicaine, donc nous gagnons nous-mêmes comme obligation pour nous capables de camper derrière barrière nous, barrière pas pour l'ouvrir, faut que nous apprenons dominicain que ça qui a passé actuellement là, nous pas accepter. Ça qui fait me songer, youn nan couple, eh bien, im desalinienne nous, mesdames et messieurs, im national nous, la desalinienne, qui dit comme ça. Quand nos aïeux brisèrent leurs entraves, ce n'était pas pour se croiser les bras, pour travailler en maître les esclaves.
ont embrassé corps à corps le trépas. Leur sang à flot engraissa nos collines. À notre tour, jaunes et noirs allons, creusant le sol, légué par des salines. Notre... Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes capables de remarquer ça. Donc, les esclaves ont brisé toute côte qui était marée. Ce n'est pas pour journée aujourd'hui pour nous croiser les bras. Oui, pour nous être capables de libérer, les ancêtres nous ont embrassé l'homme. Sans nous être coulé pour nous être capables de libérer. Je veux dire, là, m'espérer que sans haïtien ça y est qui a coulé en République dominicaine, en bas, mais moun ça y est qui pas respecté la vie personne, eh bien, m'espérer que sans haïtien ça y est, y a pas coulé pour grand messie, barré à lui-même, le pape ouvri BPO. Information nous a continué, mesdames et messieurs. Parti politique aidé dénoncé manque précision gouvernement Ariel Henry par rapport ensemble avec ouverture frontière de façon partielle, bon côté pas dominicain yo après presque un mois fermé. Chef parti politique si là, Claude Joseph, mesdames et messieurs, mandé pour autorité Port-au-Prince prend responsabilité yo par rapport ensemble avec marché d'abonnement qui arrivait boulé et que divers haïtiens qui perdit plusieurs milliers de dollars de marchandises. Ensemble, entendu déclaration Claude Joseph. Et là, nous voyons silence complice gouvernement haïtien hein, qui prend une position, mais son position pour un camarade de l'Institut là, son position là, l'Ozé. Ce n'est pas une position qui fait que les peuples haïtiens, comme les peuples pionniers dans la bataille pour le monde de la liberté, pas point dans le gouvernement, pas point des positions qui va faire. Dans des positions là, nous sommes. Donc nous-mêmes, nous appuyons la population à continuer, demander démission sans condition à rien en vie et continuer le travail avec tout groupe organisé pour aboutir. À objectif ça pour bonheur et bien-être de la population haïtienne. Ceci a pays à traverser un moment extrêmement difficile. Parti politique aider les engagés pour le développement, décider d'accompagner la population dans la bataille, dans le carrefour difficile ça et dans le carrefour. C'est ça que fait, nous sommes premier parti politique. Exiger et qui était cohérent dans la bataille de Ariel Henry dans les raisons et les missions. Parce que impopulaire, illégitime et décrié, mais parce que pendant deux ans également, il ne parlait mettre rien. C'est massacre, c'est kidnapping, viol sous civil à femme, c'est assassinat, papi et papa net. Et des quoi, je dis à pays a mérité une équipe dynamique, compétente, honnête, qui vous dirige avec un mandat clair pour organiser l'élection et tout le pays a de élus légitimes ou capables de remembrer l'institution qui tombait en faillite avec la guerre. Bataille pour nos capotes système là. Ce n'est pas une bataille contre beaucoup de monde, mais c'est une bataille pour tout le monde. Parce que le système, ça, Jean Camarade qu'on laisse le dit tout à l'heure, son système générateur d'extrême pauvreté, de violence et d'inégalité. C'est ça que fait. Nous voulons attirer l'attention de la population haïtienne sur une date qui est extrêmement importante. C'est 7 février 2024. Parce que Ariel Henry a examiné la Calédio, il a pris un engagement, il a adopté en Conseil des ministres, il a publié dans le journal Le Moniteur. Qui vient faire que l'engagement ça? Il y a une valeur juridique, en plus, une valeur morale. 7 février 2024, c'est dans quel pays? Ariel Henry n'a pas bien temps organisé l'élection, il n'a pas bien temps organisé, mettre campé un comité d'experts pour réviser la position, il n'a pas mettre campé un conseil électoral provisoire. Donc nous-mêmes, nous avons aidé, nous considérer Ariel Henry comme démissionnaire. Et là, c'est pour ajout à bataille, parce que nous-mêmes,
bataille mandée à Ariel Henry pour démissionner, il n'y a pas de banque le 7 février 2022. Mais étant donné, document ça, il est clair, consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes, qui signé le 21 décembre 2022, qui publié dans le Moniteur tout de suite après, l'IBAI, engagement que Ariel Henry prend avec Ariel Henry, dimension ça. Donc, nous même n'a aidé non pas prêt pour nous signer un autre accord, un troisième accord pour Ariel Henry, tel pays. Voilà, mesdames et messieurs, déclaration leader parti politique Les Engagés pour le développement, puis devant formation politique EDEA, bat bravo pour avancer qui a fait dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Là. Eh bien, après que sénateur John Joel Joseph a plaidé coupable dans le dossier si là devant un tribunal dans Floride, Miami. Vle pas vle, même si c'est pas jodi, la justice a rétabli la vérité sous dossier si là. Mesdames et messieurs, nous allons continuer dans les déclarations Claude Joseph, ancien premier ministre par intérim pays d'Haïti et ministre des Affaires étrangères, sous dossier qui gagne ah ouais, ensemble avec Canal, la élection entre autres. Entre les déclarations, Claude Joseph. T'es doué des élus légitimes dans le président de la République là qui montait en 2023. Il va faire. Donc, en 2022, fin 2022, nous avons l'accord pour le prolonger parce que ne pas respecter les dispositions qu'ils ont voulu avoir, ils font une prolongation. Donc, je dis à la chercher pour voir ça. Donc, moi, je dis attention, nous, peu pas ici, nous, 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 déplacé, nous, 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 manœuvre. Si la croix pour voir en place là, pour qu'il y ait une situation. Et nous tous connaissons situation insécurité qui est là aujourd'hui. Peur généralisée qui fait tout journaliste, qui fait que tout le monde paie, qui fait que tout le monde a couru, qui fait que la population a sa capacité à quitter le pays pour le Nicaragua, pour le Mexique, pour la République dominicaine, pour l'immigration, pour profiter à carrière. Parce que si nous ne pas qu'à marcher, si nous ne pas capables de faire des activités nous j'en voulons, c'est pour pouvoir bénéficier de ça parce que nous ne pouvons pas organiser. Nous ne pouvons pas organiser nous-mêmes une manifestation aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller là-dedans parce que nous pensons que le bandit a tiré sur nous. Et c'est l'élément de langage, c'est propagande ça pour pouvoir faire. Donc, on peut généraliser. Solution 1. Pour nous dire, c'est vrai que aider sous table négociation pour assurer que démission Ariel Henry doit discuter sans distraction, mais nous pouvons que cette population qui est libre. Nous dénoncer manœuvre Ariel Henry pour voir ça faire, pour faire mémise, contrôle total sur le système financier BIA. Pour moi, je suis capable de jouer en pile l'argent pour faire l'élection par la chambre. C'est dans ce sens-là, je fais nommer dans le TPRH, en dehors de la loi, un conseil. C'est dans ce sens-là que je vais chercher nommer un conseil électoral provisoire avec 10 amis et alliés pour capable faire l'élection si passe tout. Dans ce sens-là, je demande à la population pour être vigilant parce que nous-mêmes, nous pouvons. Bataille, peuple haïtien, pas gagné, hein? C'est bataille qui va décider de mener. Et c'est ça qui fait qu'on continue pour des solidarités. Avec le département nord-est qui décide de rester au rappel. Donc on est qui bataille, que moi-même, le ministre des Affaires étrangères, le ministre que je fais, pour nous être capable de continuer de travailler sur le canal, Rivière Massacre, pour faire le canal irrigation. Donc nous, rester mobilisés avec la population.
Voilà, mesdames et messieurs, parti politique aidé, rete mobilisé ensemble avec population nord-est. Rachel Gériste, c'est non madame ça, mesdames et messieurs, qui gagne deux timoun, qui gagne entre 7 à 9 l'année, qui violé par, eh bien, zami papa yo, deux petits garçons si la yo, mesdames et messieurs, eh bien, après si yo fin subi viol si la, eh bien, Rachel Gériste décide porter plainte contre Maril Chris Medon samedi, qui t'a dit dans l'église de Carrefour. Ensemble, en temps de déclaration, madame Rachel Gériste. Là, je ne peux pas retourner là encore. Je ne connais pas si c'est Matlom Bonakazimité, mais je connais ces Matlom Nier, je connais un Napsiem. Je ne sais pas qui Jean Licabon de Shelter, je ne suis pas en sécurité avec lui dans la cour. Je ne peux pas retourner, c'est pour sortir moi-même, je ne peux pas retourner dans la cour pour m'occuper des petits moyens. Je suis allé, je suis arrivé, je suis relé dans téléphone n'a parlé mandé pour matlom sorti dans la cour là il dit dehors dehors net mari non puis mauvais toujours avec dans téléphone il dit pas tout sorti c'est où que sorti et puis l'a menacé m'aller avec si c'est sale non li si me fait perdre job l'a menacé mon dieu par contre ça pour me faire moi parler moi relé zami moi relé grand sœur lui m'expliquer ça qui passé là moi relé grand frère lui parrain de mariage lui m'expliquer ça qui passé là c'est ça ma sale famille c'est la famille pour me venir mais dans moment là me courir te veux blaim non c'est pas médecin fait là me te prendre direction me dit me te passé but là c'est peut-être moi me te sauver c'est pas moi même nous je n'en pas en femme ni en bon garçon c'est froid là me je n'en nègre n'a soit fait le dormir sous cabane moi dans chambre lui me avoir me ça même lui dit oui il m'a dit me ça gain l'après-midi bon Dieu fait mal joindre encore pour nous dit ma sale famille moi avec la vie fait me pis mal toujours quand maman là c'est remettre toujours à bon moi pour y là était toujours me relé m'a parlé au dim dehors de honnête pour y aller neuf m'a prendre que le remener juge de paix dans caille là ou faire constat au dim m'a abandonné le 10 yo changer série dans barrière les m'a prendre ça que mon qui informe ça les devait pour me venir dim non pas besoin venir dans chambre série a changer dans barrière les nous apprendre ça maman fait grand frère mené malé les nous river nous frapper barrière pas que mon qui nous vit pour nous pas de monde qui ouvre pour nous rentrer retourner là moi ça me relé on y a mois de mars de temps passé 30 mars de temps passé il frappe barrière pas de monde qui ouvre même te veut pour régler ça en famille pour les protestants toujours t'a battre pour ma regretter belle Jacques m'a serré ça m'a relé dans téléphone m'a relé parler me relé grand sœur me relé grand frère pour moi qui chance ça régler ça pas réglé là moi ça les maman moi ça grand frère malé donc pas de monde qui recevoir nous relé pasteur directeur mission pasteur d'aller secteur maman me relève dans le téléphone. De avril, il dit ça. Tant pour pasteur, directeur, faire contact pour nous. Je viens de rendez-vous pour une réunion. Le 27, pasteur, je vais mettre rendez-vous pour 29 avril. Nous venons de réunion. 29 avril, nous venons de réunion. Là, nous arrivons en réunion avec pasteur. Le pasteur parle, m'explique, pasteur. Ça qui passe, un pasteur m'a dit. C'est pour chelter arraché dans la croix, c'est pour monsieur a sorti, faut que c'est votre tourner la caille. Marie me répond, Chris me donne samedi, dit chelter a pas sorti, il pas bon clé pour m'entrer dans la croix. Tout. Donc c'est moi qui dehors, c'est moi qui a dehors net, il pas dit malin. Donc il dit pas dire encore. Pasteur, juste tout ça, c'est pasteur paros la Marie. Il dit non, pas faire ça, frère Chris me donne, Jacques Chris me donne. Moi pour une décision bon étant que pasteur moi mon c'est diable pour qu'on conseille avec moi pour n'a juger l'autre monde je dis à nous en position pour décision c'est lui qui a bon c'est lui qui fait. En tout cas, mesdames et messieurs, c'était Rachel Gériste qui était venue dénoncer Marie-Li, qui sont diacres non l'église qui aiment bien sont homosexuels qui t'a violé ensemble avec Bernard Casimir deux petites garçons que les gagnaient qui entre 7 à 9 l'année. Information nous a continué mesdames et messieurs, gain gros discussion dans mi-temps au conseil de transition ensemble avec gouvernement Ariel Henry après que conseil des ministres a réuni et nommé notre tête eh bien, Banque Centrale, yon nouveau conseil, mesdames et messieurs, après 8 ans que Jean-Baptiste Dubois lui-même n'était fait à diriger
Eh bien, au Conseil de transition, pas accepté changement si là, et lui déclarer que Premier ministre Ariel Henry pas gagné respect pour yon là-dedans là, et lui possible pour gagner deux membres dans le Conseil là qui démissionnaient parce que Ariel Henry pas collaboré ensemble avec yo comme ça doit. Yon délégation haïtienne qui gagne en tête le ministre Justice par intérim, Emily Prophète trouvé quoi actuellement là, dans Washington, dans le cadre du projet INL, qui c'est International Narcotic Law, qui visait préparer la police pour être capable de recevoir force multinationale pour soutien à la sécurité pays d'Haïti. Ayem, mercredi, à mesdames et messieurs, bien bonnet dans matin, lettre créance, eh bien, ambassadeur canadien en Haïti a lui-même li présenté ensemble avec ministre Affaires étrangères pays d'Haïti à Jean-Victor Généus, André-François Giroux. Eh bien, c'est vrai que yo changé figure, mais ça pas veut dire qu'il pas continuer camper goumen ensemble avec pays d'Haïti, c'est ça ambassadeur canadien lui-même li arrivé déclaré. N'a pas quitté scène nationale là pour nous capable passer à l'international. Président américain Joe Biden promet pour le bail avec Israël toute ça l'a bien pour besoin pour défendre tête li devant Palestine. Et pendant que nous international là, mesdames et messieurs, faut que nous capable dire que notamment gagner Clarence Renoir, président parti politique Unir, qui trouve école actuellement là en Israël, pendant que il y a une guerre qui éclatait entre Israël et Palestine depuis samedi qui s'est passé là. Nous pourrons attendre qui Jean Clarence lui-même la vive situation ça actuellement là en Israël, côté chaque jour puis plus, moun pas suspendre mourir. Pour le moment, en zone de guerre en Palestine et entre Palestine et Israël, il y a la guerre, on capable dire avec Hamas. Il se trouve que bizarrement, je arrivé exactement le jour où la guerre a commencé. Moi, j'étais dans un avion American Airlines pour rentrer en Israël, parce que c'est Israël, dans la capitale, Tel Aviv, dans l'aéroport Ben Gurion, que l'avion a débarqué. Et une fois que l'avion a posé sur le sol là, nous avons appris l'information par mon de bord, pilote, pilotage, même d'équipage, etc. Et ou bien passager qui était là, qui branché automatiquement sous ligne téléphone sur Internet, qui a une image qui commence à rentrer. C'est à ce moment-là que nous apprenons que bon situation de guerre. Et ils nous permettent de nous sortir à l'aéroport là, mais il faut me dire que l'aéroport là est fermé, là nous sommes sortis à l'aéroport, parce que il y a des tirs de roquettes qui vivaient dans la direction de l'aéroport là. Donc, comme l'avion était déjà en vol, m'imaginez que autorisé que l'avion atterrit. Et parce que dans l'aéroport, j'ai constaté qu'il y a un pile monde qui était qui pas capable faire vol retour côté où t'as aller parce que t'as une interdiction, t'as une restriction sur l'aéroport Ben Gurion. Pour Jérusalem côté Mia, situation que m'a décrit pour moi, c'est situation de panique qui crée lorsque sirène retentit, il y a 90 secondes pour qu'on cherche un côté pour abriter où, sauter nos machines, c'est descendre de ton côté, sauter dans la rue. C'est chercher les taux non abri parce qu'il y a des abris pour ça et soutenir nos cailles, toute caille construit avec ça abri la dernière pour moun parce que son zone de guerrier moi même m'a dit ça m'a vivre dans appartement et les vite sirène par contre si bombe cap pour tomber pas tomber dans appartement côté mien donc son peur légitime n'a capable de chaque monde gagner et ou essayer gérer avec sérénité pour pas quitter panique la paraître sous petit monde sous monde bon côté ou mais son situation qui est vraiment stressante et traumatisante. Qui dernier faut entendre? Voilà, mesdames et messieurs, déclaration Clarence Renoir qui actuellement là en Israël pendant que gagne en guerre qui éclaté samedi qui saute passé en là. Secrétaire général OTAN Jens Stoltenberg mandé pour Israël capable bailler une réponse mesdames et messieurs qui égale ensemble avec Palestine. Mais il fait comprendre que lui paraît pour lui capable faire tout ça lui capable pour empêcher innocentes victimes en Israël côté eh bien number one a parlé là ONU t'est rassemblé une session extraordinaire pour lui capable parler de guerre ça en Israël les États-Unis l'Europe tout le monde préparé pour capable aider Israël sortir de la situation ça que lié là m'a rappelé depuis plusieurs années eh bien l'Iran lui même n'a connait des situations qui difficiles. Pays africain a connu des situations qui difficiles. Côté plus passé 13 millions moun arrivé mourir et mais jusqu'à présent c'est comme si vie moun sa yo pas intéressé moun nan l'ONU, pas intéressé l'OTAN du tout. Mais nan moment n'a parlé là, nous que moun sa yo même yo gon situation que y a géré, nous capable dire notamment
que pays d'Haïti a connu, il y a un moment qui est assez compliqué. Mais il n'y a pas jamais aidé pays d'Haïti dans le sens, puisque Kounia là, son question d'intervention militaire que y a fait dans le pays, si là. Mesdames et messieurs, n'a pas quitté scène politique là, côté bagaille, toujours, a fait route complication pour Israël, côté guerre, tout, a continué entre l'Ukraine ensemble avec la Russie. Donc, son monde qui en ébullition dans le moment que nous avons parlé à la. Non, pas, c'est Fabula Jean-Charles. Nous mettons bout là, dans la rubrique aujourd'hui. Rendez-vous cassé, mesdames et messieurs. Dans mi-temps journée pour rester formation. D'ici là, restez bénis et protégez-vous. Bye bye. À tout à l'heure.